Hey, salut tout le monde, c'est Foudrage. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite. Je me suis fait deux armes. Donc, on va essayer de s'attaquer à des créatures si jamais ils viennent nous embêter. On va essayer. Le dernier épisode, je vous aviez dit que on essayerait de retrouver les deux singes. Donc, moi, je les ai pas retrouvés. Donc, c'est très embêtant. C'est vraiment très embêtant. On va essayer de les retrouver, mais pour tout vous dire, je sais pas du tout où ils ont pu aller. Donc je suis un petit peu inquiet quand même. Donc on va tester. On verra bien si on va les retrouver. Je devrais peut-être prendre un bébé au moins avec moi, mais ça m'inquiète un peu de perdre les bébés. Donc on va pas les prendre. On va essayer quand même de temps en temps si on peut les entendre. Façon ici j'avais déjà vraiment bien exploré. Pour cet épisode là on va s'attaquer au si jamais je trouve pas les deux singes en fait. Si jamais je trouve pas les deux singes, à ce moment-là, on passera de. On va faire une évolution en fait. En espérant que mes deux singes que j'ai perdus reviennent. Oh non, mais c'est chiant ça. C'est quoi? C'est parce qu'il y a des trucs à chercher ici qui fait que. D'accord. C'est quoi celui-là comme pierre? Il faut savoir que le basalte, j'ai fait une recette avec. Donc le basalte, j'ai déjà fait la pierre qui me permet d'aiguiser très rapidement mes bâtons. Ah! C'est qui me. Ah, c'est le serpent. Bon, normalement, le serpent, on pourrait essayer de se le faire, mais. Je sais pas si c'est. Une bonne idée. Hop. Il a refait demi-tour, je crois. Alors, ici. Tout ça, c'est des trucs que j'ai déjà explorés, que je connais. Nous avons un truc là-haut qu'on peut essayer de récupérer. Entendre. Est-ce qu'on entend quelque chose? Non. Est-ce qu'on peut sentir? Ouais, tout ça on peut sentir, mais c'est pas vraiment ça que je veux. Donc là, j'ai fait des armes, c'est pour me défendre au cas où si on vient m'embêter. Avec un peu de chance, j'arriverai à le faire. Pour tout vous dire, j'ai pas du tout l'habitude. Je sais pas du tout où ils sont passés les singes, les bébés singes. Ça m'inquiète un peu. Il y a un lion dans les coins. Je ne sais pas où. Mais je suis
suis pas là pour combattre. Il y a un lion et... D'accord. Entendre. Ah. Bon, c'était pas vraiment ça que je voulais faire, mais qu'il l'a tué, c'est pas grave, c'est très bien. Je commence à avoir froid. Entendre. Quoi, c'est ici? Oh! Il est pas parti se cacher. Attends, qu'est-ce qu'il veut lui? Ouais, vas-y. Portez bébé. Allez, go. On file. Allez, go. Yes, j'ai les deux. Yes. Oh, ça me fait vraiment plaisir. Le singe, je voudrais quand même le scanner, vous voyez. Alors, on va faire peur au... Voilà. On va lui faire peur. Et est-ce qu'on peut... est-ce qu'on gagne quelque chose dans le... En l'analysant comme ça, j'en ai aucune idée. Donc en fait, c'était ici qu'on est mort. D'accord. Là, on a le lion. Je sais que derrière le lion, on a... On va essayer de faire un truc. Derrière le lion, on a le python. Voilà. Maintenant tu m'as repéré, vas-y viens. J'aimerais qu'il attaque le python ou quelque chose du style. Oh non. Il m'a tout de suite sauté dessus trop rapidement. Voilà. Il y aura de la baston. Il y aura de la baston. Ah, j'aurais préféré que le serpent attaque le tigre, mais bon, c'est pas grave. Ouais, j'aurais préféré qu'il attaque que le python puisse l'attaquer, mais bon, c'est pas grave. On va tout de suite chercher de quoi de se soigner. Et je pense qu'avec ce que j'ai là... Toi, t'es plus près, donc on va faire cela. Je pense que avec ce que j'ai là, je peux commencer à avoir pour me faire. Ouais, il faut que je saute de l'autre côté.
à faire une évolution. Ça va être intéressant à faire. Ah. Je l'avais pas inspecté celui-là. D'accord. Appliqué. Si, si, je crois que je l'avais déjà. Il est 20h. Est-ce qu'on peut dormir ici? Thank you.
Ok, je pense que le trajet, je vais le passer en accéléré. Parce que bah, c'est pas marrant de me voir juste. Donc je pense que je vais faire un accéléré pour le trajet. Ok. Hop. S'allonger. Alors, ce qu'on a à faire, c'est déjà l'évolution. J'ai des points à débloquer. Premier point. Les chances de lâcher un objet après une esquive sont réduites. Ça, je débloque. Ce qui d'ailleurs prend pas mal de temps. Voilà. Ok, j'ai quoi d'autre qui a été... Ah, là. Il est possible d'identifier automatiquement des ressources de la même nature à proximité de la cible. Ça, c'est classe. Je pense que ça peut être bien et on pourrait gagner du temps à le faire. Voilà. Ok. Et toi, c'est quoi? L'analyse est beaucoup plus rapide. Donc ça c'est classe aussi. Tout ce qui est environnementaux et tout ça, ça va plus vite. Et là, la vitesse de l'analyse environnementale est maximisée. Ouais, aussi, ça peut être bien. Et j'ai rien d'autre. D'accord. On peut passer en génération. Mais ça, j'ai pas envie. Ça, j'ai pas envie. Moi, je veux faire une évolution. Donc, l'évolution. Comment ça se passe? Normalement, je peux faire une évolution. Je me rappelle plus comment j'avais fait l'évolution. J'avais réussi à faire une évolution la dernière fois. Pour lancer une évolution, vous devez être dans le campement de votre clan, avoir passé au moins une génération. Ouais, ça c'est la génération que j'ai pas fait. La génération, on peut se la faire. Bon, attendez. J'ai fait deux bébés, quatre bébés. Oui, non, c'est bon. On va faire une génération. J'ai pas trop le choix. On va laisser les bébés comme ça. Je vais faire une génération. J'ai pas le choix. Et j'ai 4 points à mettre. Alors, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on garde pas dans l'histoire? Ça, c'est pas vraiment intéressant. La capacité à détecter les éléments plus éloignés à l'aide. Ça, je voudrais. Ça, je voudrais. Nous avons la capacité à lâcher un objet aussi. Ça, on s'en fout. Le temps de réaction des esquives, ça, on s'en fout. Capacité d'automatiser. Ouais. Ouais, on va prendre ça. Et puis le reste là, on va prendre ça. Donc j'avais quoi? J'avais ça qui me permet d'analyser plus rapidement. Voilà. Et c'est bon, c'est parti. Oui. Donc là, faut savoir que j'ai plus que... Que j'aurai plus que 4... 4... 4 singes. Donc ça, ça va être mes bébés. Qui vont devenir mes adultes. Et moi, qui est un adulte, va devenir un ancien. Et en ancien, j'en aurai pas beaucoup. J'en aurai peut-être 2. On va voir ça tout de suite.
Voilà, j'ai plus que des bébés. Et je suis devenu un ancien. Donc tout de suite, on va te remplacer. On va te remplacer, on va tout de suite faire des bébés. On va tout de suite faire des bébés avec... Alors toi t'es quoi? Toi t'as l'air d'être un mâle. D'accord. Est-ce que j'ai des femelles surtout? C'est ça qui... C'est bon. Ok. Tout de suite faire des bébés comme ça. Ça sera fait. Ok, super. On va tout de suite s'attaquer à ça là. Tac. Voilà. Voilà. On va regarder si on a une autre femelle. Voilà, on va pas tout de suite donner naissance. Maintenant, il nous faut une autre femelle si je peux. Alors. Ah, là-bas. Est-ce que toi, t'es une autre femelle? Ça serait bien. Femelle, oui, c'est bon. Ok. Il y a un problème, elle veut pas. T'arrêtes. Et tu vas me suivre. Est-ce que ici t'es d'accord ou pas? Ah, je crois qu'avec elle, ça va pas être possible. Ah, ouais. Ouais, avec elle, ça va pas être possible. On va tout de suite donner naissance alors. Tant pis. Mais si je peux pas faire... Je pourrais faire que deux bébés alors. Ça, ça va poser problème parce que si je peux faire que deux bébés, il faut vraiment que je me trouve d'autres singes. J'aurais pas le choix. Je veux vraiment un bébé parce qu'il me faut quand même un bébé au moins pour aller explorer. Pour gagner des points de nano machin là et... Ça, j'aurais pas le choix en fait. Ça, j'aurais pas le choix. Ok. Vite fait, on va regarder. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Moi, j'ai des points qui ont été débloqués, mais sans plus. Et ça, c'est les points, comme vous pouvez voir, qui a été débloqué, que j'ai gardé. Et j'ai des points que j'ai perdu car j'ai passé une nouvelle génération. Moi, ce que je veux, c'est l'évolution tout de suite. Normalement, je peux. Comment je fais déjà? Y. Voilà. Donc là, en fait, ça va prendre du temps. Ça va me calculer toutes mes années que j'ai découvert, les lieux que j'ai découvert et tout ça. Donc je gagne des années.
je gagne des années pour tous les prouesses, les découvertes que j'ai faites. Voilà. J'aurais très bien pu encore chercher d'autres choses. Hein. J'aurais pu encore explorer largement. Il y avait encore pas mal de choses encore à explorer. Il y avait des crafts que je sais faire et que j'ai pas encore fait aussi. Que j'aurais très bien pu faire aussi. Il y avait encore pas mal de choses à faire. Est-ce que c'est une bonne idée de passer l'évolution maintenant? J'en ai aucune idée. Mais on est là quand même pour découvrir des choses. Voilà, ça diminue doucement. Ça diminue doucement. Je vais perdre quelques années aussi. Car j'ai quand même eu pas mal de morts pour mes singes. Donc je vais perdre aussi par rapport à ça. C'est tout ce que j'ai découvert. Ça prend du temps. Je sais pas si je peux passer tout ça, mais bon, c'est des choses à voir quand même. Donc ça peut être intéressant. Voilà ce que j'ai eu en bon d'évolution. Truc de prouesse, machin. Et ça, c'est les mauvais points que j'ai eu. Donc, qui m'a été retiré. 5 naissances, j'ai donc gagné un petit peu plus. Tac. Et c'est parti. Avancer dans le temps jusqu'à machin. Ok. Et donc là, normalement, je vais aller dans la zone où on avait découvert. Que j'avais découvert. Ah non. Ah non, pas du tout, pas du tout. Ils me font venir ici. Pour être franc, j'aurais vraiment préféré en fait. Je suis pas du tout en sécurité ici en fait. J'aurais préféré qu'ils me mettent autre part. On va devoir faire avec alors. Première chose, on va se faire des défenses. Parce que je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va mal se finir. Analyser. Tac. Donner. Le bébé, il est où? J'aurais préféré avoir le bébé tout de suite. Le bébé, le bébé. Peut-être il doit être derrière lui là. Ouais. Ouais, j'aurais préféré qu'il me mette autre part en fait. Dans un coin plus protégé. Ça veut dire qu'il faudra que je me prépare à me défendre. Donc pour l'instant, je leur donne juste des piques normales.
Par la suite, je les ferai plus améliorer s'il faut. Toi, t'en as un. Tac. Voilà. On va se préparer à la défense. Je peux faire des barricades. Mais bon, vu qu'on est ouvert ici, là, les barricades, je pense pas qu'ils vont servir à quelque chose. Toi, t'as quoi? T'as pas de défense. Tu vas prendre ça. Alors par contre, je sais pas du tout. Hein. Est-ce qu'ils vont se défendre avec ce que je leur donne ou là ou quoi? Je n'en sais rien du tout. J'espère. Tac. On leur met des défenses. Toi, t'en as pas. Voilà. Ça prend du temps, mais je veux vraiment me protéger. Je ne connais pas ce coin-là et je préférerais me protéger si jamais on a les animaux qui viennent nous embêter ou quoi, je ne sais pas. Voilà, j'en fais un peu d'avance. Parce qu'il faut savoir que quand quand vous attaquez vous perdez l'arme en fait. L'arme est directement dans l'animal en fait. Et et vous perdez votre arme. Donc quand il revient, à ce moment là vous aurez plus d'arme. Faut prévoir ça assez rapidement. Donc quitte à en faire 2-3, faites des stocks un petit peu partout autour de votre base. Vous vous protégez avec ce que vous pouvez quoi. Là, proche de l'eau aussi parce que je me dis que quand on ira boire, ben, faudra se préparer. C'est de l'eau stagnante, ça, non? On a le droit de boire ça. Pour être sûr, je préférerais parce que ça a l'air d'être de l'eau stagnante, alors je me... Non, c'est bon, ça a l'air d'être bon. On va boire un petit peu. Je pense pas que j'ai besoin de boire ni de manger, mais... vu qu'on vient de commencer... Enfin, pour la journée d'après, c'est sûr qu'il faut... qu'il faut manger et boire. Voilà, ensuite... Comme... je sais pas si vous avez pu le voir, mais... Nous avons pas de lit aussi. Ça faudra aussi prévoir de quoi faire des lits. Tac. On n'est pas protégé de la pluie non plus. Franchement, c'est un coin qui est pas terrible. C'est pas vraiment une bonne défense ici. Tac. Ajouter à la pile. Voilà. Donc faudra qu'on voit pour faire des lits. Toi. Tac.
D'ailleurs, je me rappelle plus, mais est-ce que je l'ai déjà fait la découverte de cette recette sur cette partie-là? Je ne sais plus. Non, je l'avais pas découvert. Bon, bah, moi, c'est un truc à découvrir. De toute façon, faut pas oublier que quand vous changez d'évolution comme ça, faudra refaire certains de crafts. Il y aura de nouveau toutes les crafts à refaire et tout. Donc on va commencer par juste deux lits. Et je le fais de ce côté parce que de ce côté je trouve que c'est mieux proche de l'eau. Non, c'est pas ça. Ensuite, on va prendre toi et on va l'inspecter. Voilà. On va manger tout de suite. Comme ça, on sait tout de suite. Avec cette nourriture-là, on en aura pas mal de nourriture assez rapidement. On pourra en manger que un ou deux et c'est bon. Donc ça, c'est bon. Ensuite, donc là, comme d'hab, hein, faut vraiment explorer. Roche soulevable, ok. On va commencer par ça. Si on peut trouver d'autres singes, ça serait génial. Ouais. Ok. Ça serait bien aussi, ce serait de pêcher. Ça serait classe. C'est quoi que j'ai découvert et que je sais pas ce que c'est? Ah bah, un truc de pêche. Ouais, c'est un truc de pêche. Bon, on va tout de suite pêcher. Comme ça, on va le débloquer aussi pour la prochaine évolution. Voilà, c'est un truc de pêche, on va pouvoir pêcher. Donc on va tout de suite pêcher un poisson, comme ça on va débloquer on va débloquer le coin de pêche et tout ça. Altéré. Ah, il veut pas. Ah, oh, zut. Il veut pas. Je sais pourquoi il veut pas pêcher, parce que en fait j'ai juste fait un bâton, mais j'ai pas fait du tout de. Toi, c'est quoi? Granit, ouais, encore. On change de main, saisir. On va tout de suite se faire un. Si j'arrive. Ça va prendre du temps avec cette pierre-là. Faut vraiment que je me trouve du basalte. Le basalte est vraiment en classe. Ok, c'est bon. Relâche. Voilà. Hop. Tac. On change. Et là. Paf! Et un poisson, un. On change de main. On a un coin de pêche, ça peut être pas mal. Ah, il faut que j'inspecte avant, c'est vrai. Non. Il faut que j'inspecte avant. Waouh, yes, génial! Voilà. On change de main et là je peux récupérer le poisson comme ça et le manger. Est-ce qu'on gagne un bonus de soins ou une connerie du genre? J'ai pas l'impression. On tombe malade, ça c'est pas cool. Vas-y. Ça veut dire que le poisson c'est pas pour nous pour l'instant. Je préfère ne pas le manger.
Ok, ensuite, on va encore faire une autre set. Je te mets toi là, je te prends toi. On va refaire encore une autre set. Ah non, attendez voir. C'est pas celui-ci. Il me faudrait des... Ah, voilà. Toi, on te change de main. Voilà, on a maintenant une sorte de tige. Donc là, je vous montre aussi les crafts que je savais faire et que j'avais pas montré encore. Et là, vu qu'en plus on a tout de suite un nid d'abeilles, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec le bâton. S'il veut bien... On inspecte le nid d'abeilles, lieu de récolte, ruche. Et là, avec le petit bâton, on peut piquer dessus. T'as déjà fait? Ah ouais. Et on peut inspecter en fait le miel. Ça va être un truc pour qu'on puisse manger en fait. Voilà. Et en le mangeant, on récupère quoi exactement? Ça, je sais pas du tout. Ah, ça nous protège contre le venin. Donc, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a toujours pas d'animaux. Donc, c'est classe. 19h. On peut encore explorer un petit peu comme ça, vite fait. On va pas partir de là pour l'instant. Et je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode. Ça, c'est des coins qu'on a déjà vus. En fait, tous les trucs de zone ici, on a déjà tout exploré. Maintenant, c'est juste des coins un peu spéciaux. Moi, ce que je voudrais, ce serait quand même des animaux. Des singes, pardon. Sentir. Non, entendre. Oh, il y a quelque chose là-bas, je sais pas ce que c'est. D'accord, il n'y a rien. Il y a un truc là-bas, je sais pas ce que c'est ça. C'est un truc que j'ai. On va sentir. Alors, ça c'est quand même des trucs intéressants. Tout ça doit être de la nourriture, je sais pas quoi. On va tout de suite aller voir. C'est quoi ces dés? Ah d'accord, oui c'est. Change de main. Tac, inspecter. Qu'est-ce qu'on a? C'est de la nourriture, mais je sais pas du tout ce que ça donne. On va le manger pour voir tout de suite. Mais je risquerais de tomber malade. Non, je suis pas tombé malade. Par contre, on a un boost d'anti-poison. Ça, c'est classe. Et ça, c'est des coins aussi qu'on n'a pas explorés, d'accord. Ça, c'est des fruits. Ok. On va inspecter ça. Ah, c'est du raisin. Enfin, ça ressemble à du raisin. D'accord. Baie de sureau. On va le manger. Ça a l'air de rien faire de spécial. D'accord. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais de toute façon continuer la suite tout de suite. Et on va voir où ça va m'emmener. J'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il y a d'autre. Donc ça c'est les fruits. Ça c'est les fruits. Tout ça c'est les fruits, je connais. Ça c'est quoi? C'est aussi un fruit. Il y a énormément de contenu ici. Là-bas c'est aussi un truc à manger. C'est un fruit. Que d'ailleurs j'ai pas découvert, mais je sais très bien ce que c'est.
D'accord. Sur notre arme, nous avons quoi? Ok, des fruits. Ok, d'accord, ça marche. Et on va aller dormir et puis voir un petit peu ce que... 21h, ouais, je peux aller dormir. Et on va s'arrêter là, on va peut-être faire un... manger. Ouais, j'ai le... Voilà. S'allonger. Vite fait, je pense que j'ai quand même eu quelques points. Chaque portion de nourriture fournit davantage d'énergie. Ça, c'est classe. Au lieu de manger 10 plombes pendant 10 plombes. Hein. Wow, wow. Capacité apprise. Volonté. Toutes les menaces génèrent moins de peur. Oh, ça, c'est génial. Ça, je veux. Et bien sûr, je ne peux pas l'avoir. Pourquoi? Il me manque sûrement des coins... il est possible d'être immunisé contre les empoisonnements et blessures pour une plus longue durée. Ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Donc toi, tu peux pas. Je l'ai, mais je peux pas. Faut que je débloque un truc pour pouvoir le récupérer. Toi, je peux te le récupérer. La durée de l'immunité. Ouais. Ah, en fait, non. J'ai dû me tromper, alors. C'est des trucs que j'ai déjà, ça? D'accord, ça, c'est des trucs que j'ai déjà. Ensuite, toi. Il est possible d'identifier automatiquement des ressources de la même nature. Ouais, bon, ça, je... Ça, je connais, mais on va le récupérer quand même. Allez, 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 allez. Yes. Ça, c'est des trucs que je peux gagner plus vite. J'ai encore des points que je peux utiliser. Alors, toi, c'est quoi? Il est possible de transformer... Ouais, ça, ça peut être intéressant. Et le temps de réaction. Bon, non, on s'en fout. On va plutôt faire ça et après, on va s'arrêter là parce que je sais pas du tout. Ça va être un épisode, un épisode long. Ok, mais on avance déjà bien, je trouve. On voit un petit peu autre chose. Et on va dormir. Voilà. Moi, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez surtout pas à commenter, partager, à aimer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des conseils aussi, n'hésitez surtout pas. Ça me fait toujours plaisir de voir vos conseils. Et moi, je vous dis donc à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, à plus.